c'est un espace qui permet de discuter, de réfléchir ensemble d'une forme ludique et surtout sensible à travers des actions, des scénettes théâtralisées, donc à travers des scénettes. Sur ces scénettes, on regarde des moments de vie concrète d'aujourd'hui, de nos jours, et ces moments, elles sont jouées de manière à ce qu'elles se terminent mal. Et l'histoire, c'est que le public regarde ces scènes une première fois, puis réfléchit avec le joker qui fait l'interface entre les spectateurs et les comédiens à ben, comment ça pourrait se terminer mieux, comment on pourrait changer cette situation aujourd'hui, peut-être le monde demain. Il n'y a pas de réponse. Il y a des expérimentations. On expérimente en live, sur scène, avec des situations fictives, puisqu'on est dans un cadre de théâtre, avec des comédiens et des comédiennes qui jouent des personnages, mais dans un... Le fictif ressemble vraiment, vraiment à la réalité au plus proche, à la réalité. Et on est là pour observer, pour expérimenter et pour ressentir. Qu'est-ce que je ressens, moi, quand je suis face à ma fille qui me dit... Merde, papa, je sors, et qui claque la porte. Qu'est-ce qui ressort le père, qu'est-ce qui ressort la mère, et qu'est-ce qu'on fait de ce ressenti, qu'est-ce qu'on fait de cette émotion? Est-ce qu'on file une claque ou est-ce qu'on trouve d'autres chemins? Ce théâtre forum, c'est vraiment quelque chose de systémique, quoi. C'est un moment de partage, vraiment. C'est vraiment un outil de sensibilisation, de réflexion, et c'est un outil qui est connu dans le monde entier, et qui est travaillé, qui est exposé, qui est exploré de plein, sur plein de thèmes. Ça, c'est passionnant. C'est passionnant, c'est sans fin. Et puis c'est vrai que où qu'on soit, c'est différent, quoi. Si on joue avec des éducateurs qui ont déjà fait, éducateurs spécialisés, qui ont déjà fait tout un processus de travail, de réflexion, on va avoir d'autres réponses. Si on va aller jouer dans la rue pour la journée des sans-papiers, il y aura encore autre chose. Et c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Moi, j'aime jouer parce que je me régale dans ces personnages-là. J'ai des personnages souvent très pets secs, qui cassent, comme ça. C'est jouissif de jouer des personnages comme ça. Pour moi, ça me régale, quoi. C'est d'abord se changer soi. Se changer soi pour pouvoir transformer l'autre, nous, ce monde dans lequel on vit. Si moi, je ne bouge pas autour de moi, ça ne bougera pas, quoi. Donc, je trouve que c'est un message que j'ai reçu, hein, du théâtre forum. On joue une fois, le public regarde. On rejoue une deuxième fois, et là, le public lève la main en disant « Stop !» Et là, on arrête la scène. Nous, on est en statue, et le joker fait le lien. Qu'est-ce que vous avez vu qui... moi, je trouve que là, à ce moment-là, il faut faire quelque chose. Il peut pas... Donc, ça se passe comme ça, dans bien de cas. Après, des fois, on joue, on continue de rejouer, puis personne n'a levé la main, et puis on se regarde, on a fini, et dit, tiens, bon, Alors, et c'est intéressant aussi, quoi. Mais qu'est-ce qu'on change, alors? Qu'est-ce qu'on change? Et pour refaire le lien du passage à l'acte, c'est ça, comment on met en acte, quoi. C'est en plus l'acte, c'est un terme théâtral. À quel moment je décide que ce thème-là, il a assez d'importance et qu'il faut aller y travailler dessus et qu'il faut participer à la fête des SDF, des sans-papiers, de la misère, là, comme il y a tous les ans, où on est tous les ans à la comédie, qu'il faut y aller, qu'il faut être là. Et c'est ça aussi, passer à l'acte, quoi, pour informer, même si on n'a que 20 personnes qui sont là. Mais... Il faut aller voir où ça se joue. Il faut se mettre dans un public où il y a du théâtre forum, ouais, pour ressentir ce qui se passe. Et voir aussi les différentes manières. Parce qu'encore une fois, il y a vraiment beaucoup de formes qui sont données au théâtre forum. Ouais. Mm-hmm. Et les ingrédients de la réussite, c'est d'y croire. Mm-hmm. Moi, c'est d'y croire et y aller avec l'enthousiasme. Ouais.